Le vendredi 15 juin 2018, je partais à la recherche de la rhyolite, cette pierre volcanique à partir de laquelle Paul Hermongeat avait construit son exposition de l'immobilité du voyage lors de sa résidence à Grandlieu, c'était en 2001, pour préparer son prochain passage, à l'occasion duquel il fera une lecture sur les rives du lac. Je lui ai promis de lui rapporter la pierre. C'est ainsi que j'ai pris la route qui longe la rivière Le Tenu, en espérant retrouver le lieu dans lequel il avait fait le prélèvement. Étonnamment, j'ai retrouvé le chemin. Arrivé dans la ferme d'où nous étions partis, le propriétaire se souvenait de notre passage 18 ans plus tôt. Par contre, impossible de retrouver l'endroit précis. Je n'avais rien retenu du paysage. Heureusement, près d'un bâtiment en ruine, j'ai repéré des blocs de rhyolite et le propriétaire a accepté que j'en emporte quelques-uns. Dernière étape de l'exposition circumlacustre, Gilles Bruny emballe une dernière fois la grande bloute avant sa mise en réserve. Ça veut dire qu'il faut que je sois comme ça. On va y arriver. Voilà, c'est ça en fait. Donc, aïe. Je peux prendre plus mon temps pour le faire. Pourquoi, je sais pas qui. Tu veux que j'aille à côté?
Hop, hop, hop. Tourne-la un petit peu plus dans l'autre sens. Comme ça? Voilà. Oui, c'est pour ça, ça Parce c'est que le bien. point de vue, c'est aussi ton travail Ouais. de début. Puis bah, elle revient parmi nous. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le chat. Voilà. Elle revient avec le chat. Voilà. En fait, est-ce que ça pourrait être un peu soit le copain de la bloute, soit l'esprit de la bloute, finalement.